Salut à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter la toute nouvelle tête de chez Hughes & Kettner, la Grandmaster 36H. Cette toute nouvelle tête, née de la génération TubeMaster, vous propose en plus 4 nouvelles fonctionnalités complètement innovantes. Tout d'abord, cette Grandmaster 36H inclut un quatrième canal appelé Canal Ultra. Ensuite, cette tête est équipée de la toute dernière génération de simulateurs de haut-parleurs, la Redbox 5. La troisième caractéristique de cette tête Grandmaster H est d'avoir incorporé un nose gate directement enclenchable sur la face avant et réglable sur la face arrière via un potentiomètre. Et pour terminer, la plus grosse innovation de cette tête Hughes & Kettner est de pouvoir être totalement contrôlable par iPad via une application gratuite et téléchargeable sur le net. Cette application résume en une seule page l'intégralité des réglages de cette tête Grandmaster. Sur la première rangée, nous retrouvons les réglages de tous les effets disponibles sur cette tête. Ensuite, la deuxième rangée se compose des réglages classiques avec treble, middle, basse, ainsi que le réglage des 4 canaux. Et pour terminer, la dernière rangée se compose du pédalier assignable ainsi que du commutateur 1 watt, 36 watts. Et pour parfaire cette gamme, Hughes & Kettner vient de sortir son tout nouveau pédalier de MIDI, le FSM 432 MK3, qui a été créé et conçu exclusivement pour cette tête Grandmaster 36H, car il sert de pédalier classique pour contrôler les canaux, mais également de pédalier d'effets qui vont pouvoir permettre de contrôler tous les effets disponibles dans cette tête d'ampli. Alors à vous de jouer !